La journée des farces. C'est parfait. Essayons cette formule une dernière fois. Bondissiglisse. Oh, j'ai réussi. Bondissiglisse. Oh non, il s'est cassé en deux. Bondissiglius. Il ne saute pas. Bondissiglius. 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 Oh, j'abandonne, je ne suis pas douée en magie. Bravo, mes chers enfants. Vous vous entraînerez davantage demain. Oui, entraînez-vous bien en notre absence. Notre absence? Oui, nous devons nous rendre à la conférence des professeurs de magie. Nous y allons? Oui. C'est pourquoi je t'avais chargé de trouver un remplaçant pour le cours de sorcellerie de demain. Oh, je devais trouver un remplaçant? Oh, Pâquerette, comment allons-nous trouver un professeur d'ici à demain? Je crois avoir une idée, mademoiselle. Peut-être que notre sorcier royal, Monsieur Cédric, pourrait nous faire cours. Oh, mais voilà une excellente idée! C'est vraiment un très bon sorcier. Il m'a aidé à obtenir mon étoile d'or. Mais penses-tu qu'il acceptera? Oh, je suis persuadée qu'il sera ravi. Cela ne m'attire absolument pas, merci. S'il vous plaît, Monsieur Cédric. Vous ne voyez donc pas que je suis occupée à préparer une potion magique? Si, mais je rêve de vous avoir comme professeur. Vous êtes un si bon sorcier. Je suis sûre que le cours serait exceptionnel. C'est là tout le problème. Personne ne me considère comme un grand sorcier. Moi, si. Personne à part vous. C'est pour cela que je prépare une potion qui fera apparaître mon visage dans tous les miroirs du château. Ainsi, tout le monde pourra enfin admirer ma vraie grandeur en se coiffant le matin. Oh non, je suis à court de racines de vigne vierge et sans cet ingrédient, je ne peux pas achever ma potion. Ça tombe bien, nous en avons de la vigne vierge dans la serre de l'école. Vraiment? Oui, et vous pourriez vous servir demain après le cours de sorcellerie. Parfait, c'est sans doute une bonne idée. Formidable, je vous dis à demain. Oui, à demain, mademoiselle. Oh, merci, monsieur Cédric. Attends, ai-je accepté de jouer les professeurs? Bonjour, jeunes gens. Bonjour, monsieur Cédric. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment s'asseoir derrière un bureau et rester silencieux durant une heure. Hein? Rester assis derrière un bureau? Je vais faire un tour dans la serre, puis je reviendrai voir comment vous vous en sortez. Mais attendez, monsieur Cédric, vous êtes censé nous enseigner la magie. Oui, et la magie sera réellement au rendez-vous si vous restez assis sans faire de bêtises. Nous avons travaillé sur une formule rebondissante hier, nous pourrions approfondir le sujet. Oh, pourquoi pas, ce n'est pas compliqué. C'est parti! Cela devrait convenir à de jeunes débutants. Prenez-en un chacun. Pointez votre baguette et prononcez le mot magique Bondissiglius. À votre tour. Bondissiglius. 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 Viviane, tu ne veux pas essayer cette formule? J'ai déjà essayé hier, Sophia. Je n'ai aucun talent de magicienne. Vous avez bien besoin d'entraînement, à ce que je vois. Je vous laisse travailler, je reviens. Attendez, monsieur Cédric, pouvez-vous nous refaire une démonstration? Ah, d'accord. Je vais vous refaire une dernière démonstration et ce sera terminé. Je sens qu'on va drôlement s'amuser. Chut, tu vas gâcher la surprise. Je rêve où c'est un cheval violet. Elliot, reste concentré. Oui, oui, tu as raison. Prêt pour la farce. C'est parti, à trois. 1, 2, 3. Solarius Campétus. Oh, qu'est-ce que c'est? Quoi? Les chevaux.